En théorie, dans la vie, quoi, dans la vie sans caméra, ça se passerait pas du tout comme ça. T'es moins grande gueule depuis que tu bois plus, alors? Non, mais j'entends des mots, quoi. J'entends des mots. T'as des voix? Oui, j'ai des voix. Non, mais j'entends des mots. Faut avoir beaucoup de dégâts, dépassement de soi-même, quoi. Ouais, je sais pas quoi, pour entendre des trucs pareils, quoi. De l'abnégation pour supporter tout ça. Pontifier, machin, alors tout le monde. Mais je l'entends pas qu'ici, je l'entends un peu partout, ça. Mais ici, nous, on le dit en face. Non, parce que quand les mecs sont cassés, qu'ils sont dans le ruisseau, y a personne pour en parler de ces mecs-là, Mais quand ils seraient dans le teinteux, qu'ils cherchent une autre voie, des choses, et c'est la moquerie, c'est le machin, tout va bien, ça baigne. Okay. Ça change. C'est dégueulasse. Ah, c'est vraiment, mais d'un point de vue moral. C'est ton avis, c'est... Et elle s'indigne. Dis-moi, je me souviens d'une interview où je te demandais ce que tu détestais le plus en toi, et tu m'avais répondu « ma grande gueule ». Et quand je t'avais dit « on l'aime bien, ta grande gueule », tu m'avais répondu « d'accord, mais moi je vis avec 24 heures sur 24 ». Donc maintenant, tu t'habitues à toi-même, en fait, c'est ça l'histoire? Absolument pas, je suis toujours pareil, c'est pour ça que ça devient de plus en plus difficile. Ouais. T'as du mal, là? Oui, j'ai du mal. Bien sûr, j'ai du mal. C'est extrêmement désagréable parce que, en théorie, dans la vie, quoi, dans la vie sans caméra, ça se passerait pas du tout comme ça. Ça serait beaucoup plus, de toute façon, de ma part. Faisant comme dans la vie, alors. Beaucoup plus féroce. Ah, tu serais plus féroce. Ah ouais. Qu'est-ce que tu lui aurais dit à Chantal dans la vie, là? Moi, je lui aurais rien dit de ce genre. J'aurais dit, quel dommage de... Quel dommage, quel dommage. On est mieux à la télé, finalement. Quel dommage que vous n'ayez pas d'autre chose à dire sur moi. Voilà. Mais le bien triomphera à la fin. Mais c'est pas vexé. À la fin de l'émission, on s'en fout. C'est pas vexé. Dis-moi, alors, moi, de toute façon, je suis ravi que tu sois là, parce que t'es pas là pour rien, t'es pas là pour qu'on te dise que tu picoles plus. T'es là parce que t'as fait un film. Oui, ça devient un peu chiant, ça aussi. Ouais, mais c'est-à-dire qu'avant, on disait toujours que tu picolais, maintenant tu picoles plus. Non, mais maintenant, ça fait un moment que je picole plus. Il y a la main, c'est fini maintenant. Ok. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.